C'est vrai que voilà, pour un premier match, on va dire que la victoire elle est là. Après, on aurait aimé garder notre cage inviolée. Voilà, ce soir, on a pas réussi, malheureusement, on prend ces deux buts, mais bon, on en met quatre. On a quand même deux buts d'avance, donc il faut rester concentré, il faut pas se dire que c'est fait. On va aller chez eux et je pense qu'ils vont jouer le coup à fond parce qu'ils n'auront plus rien à perdre. Donc il va falloir rester méfiant et bosser à fond. On a Louis et Valère qui nous ont rejoints. Après, il faut s'adapter par rapport à comment ils jouent. Voilà, avec Valère, on commence à trouver des automatismes, que ce soit moi avec lui ou Morgan avec lui. Enfin, tout le monde commence à comprendre ses appels. Et ce soir, voilà, il met un triplé. Félicitations à lui. Il a fait un début en fanfare. Le coach, il nous a mis en garde. Voilà, il n'y a rien qui est fait, comme je viens de le dire avant. Ils nous ont mis deux buts, ils ont eu quelques petites occasions aussi où ils auraient pu marquer, donc il faut qu'on reste en garde et qu'on se reconcentre très vite pour aller gagner chez eux là-bas jeudi. Il y a quelques trois trucs qu'on aurait pu mieux faire, notamment sur les buts qu'on prend. Mais bon, c'est un premier match, je pense qu'on a rendu une belle copie dans l'ensemble. On est content parce qu'on a gagné la première mi-temps, maintenant il faudra gagner la deuxième à Ostend. Il faut qu'on soit un peu plus solide toute l'équipe parce qu'on a pris un peu trop d'occasion. Donc voilà, je pense que ça va être les points qu'on va parler dans les jours à venir. Mais voilà, on va au stand avec une belle option. On le connaît depuis plusieurs années maintenant en Ligue 1. On est content de l'avoir avec nous et il l'a montré ce soir.